Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler carottage. Est-ce que Lilith essaye de nous mettre une magnifique petite cartouche avec les fêtes et les events de Noël, la magie de Noël selon Lilith? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les tips, les guides. Bref, tout est sur le Discord, même les jumps, les recrutements, tout est là. Les amis, avant de commencer, je veux vous montrer deux petites infos. Une première, un petit mème qui est posté sur le Facebook. Regardez, la magie de Noël, certains aussi ont plein d'imagination et mettent le 1960 et le 2489. Apparemment, une petite confrontation entre les deux et petit carottage. Ça m'a fait rire, alors je me suis dit, j'allais vous le montrer. Et surtout, regardez cette info. Est-ce que c'est de la provocation, le 1365 hein. On reparlera évidemment du KVK du 1365, hein, énorme justement, avec le 2489, le 1846 notamment. Et regardez, a été publiée cette liste, soi-disant une liste de l'émigration, hein, les joueurs du 1365 chercherait à partir à migrer parce que avoir quatre aussi grosses alliances, hein, c'est très difficile. Et certains prédisent même que le 1093 se retrouverait prochainement, en 2024 du moins, dans la même situation que le 1365. J'y crois peu, tant pour le 1365 que pour le 1093. Pourquoi? Car ça fait très très longtemps, depuis quasiment le début du jeu, je vous le rappelle, hein, pendant plus d'une année, le 1093 a été le royaume le plus puissant du jeu, largement, avec beaucoup d'énormes alliances, hein, avant même qu'il y ait le capage et le blocage de migration Imperium, et le 1093 arrivait parfaitement à gérer toute cette masse-là. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience pour gérer du monde. Le 1093, aucun risque à mon avis. Le 1365, pour l'instant, ça reste de la provocation, de ce que j'en sais. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, toutes les infos que vous pouvez avoir là-dessus et qui auraient pu m'échapper. Les amis, donc, parlons peu, parlons bien, parlons des events de Noël. Alors, ils ne sont pas encore popés sur beaucoup de serveurs, sur quasiment aucun, mais sur mon compte le plus puissant à 74 119, hein, un coup, regardez, on va même faire monter la puissance, 74 139. Alors là, on va tout raser. On a les events de Noël qui sont là. Regardez la petite liste magnifique. Alors déjà, on voit, hein, Lilith nous a fait un magnifique effet avec tout ce qu'on a payé en bundle, hein. Ils nous mettent des petits flocons de neige. C'est magnifique et on le voit tout à pop. Ça devrait arriver, je pense, sur tous les serveurs. Je dirais, allez, vendredi ou samedi. Commençons par la liste, enfin la liste, hein, la fin. Je cherche où est le nouveau skin. Le nouveau skin, il doit être dans Chaleur de l'hiver. Effectivement, c'est pas la fin, c'est le premier même. On a Joie magique, un skin permanent, hein, qui a popé, qui donne en défense d'unité 5% aux unités de siège. Franchement, défense d'unité de siège 5%, non, défense unité de siège, 5%, c'est éclaté et en contrepartie vous prenez un moins 5 en cavalerie. Non, franchement, ça brûle et ce skin, il est très déceptif, très décevant plutôt que déceptif. Les deux existent pourtant, il est très décevant. Moi, je ne le trouve pas du tout esthétique, même de nuit, je le trouve un petit peu éclaté. Pour un thème de Noël en version nuit, je le trouve vraiment très très sombre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais de mon point de vue, les stats sont moisies. Le skin, franchement, il est éclaté au troisième sous-sol. Moi, je ne toucherai pas à ça. Je vais peut-être le débloquer, mais en tout cas, je ne vais pas me battre pour avoir ce skin qui est vraiment naze. On a aussi un nouveau item de ville, un veilleur de l'hiver. Et puis, on a des petites crèmes fouettées qu'on peut ramasser, hein, qui vont servir lors d'un event, hein. On va revenir sur l'exclusivité du forgeron après. Mais d'abord, regardons le gâteau de, j'allais dire, le cadeau. Le gâteau de Noël qui, enfin, le retour. Alors, malheureusement, c'est toutes les trois events, toutes les trois séries d'events. Donc, une fois tous les trois mois, le retour de la deuxième file à 7000 gemmes, hein. Donc là, on donne des gâteaux, des petites crèmes, c'est cool. Et ça monte, évidemment, hein, comme d'habitude, hein, pour monter, faut aller déboîter des barbares. C'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous êtes en KVK,
Je vous conseille tout de même de retourner sur votre royaume pour aller faire des barbares, sinon ça va vous coûter une blinde en AP et pour pas plus d'items récupérés. Donc franchement, la deuxième file, vous la faites grâce aux barbares et vous la faites sur votre royaume d'origine. Pas mal du tout comme d'habitude, hein. Vous investissez 7000 gemmes, vous allez récupérer 35 sculptures, je crois que c'est ça, laissez-moi compter, 5, que je me trompe pas, 5, 10, c'est après que ça s'accélère, 10, 20, 20, 15, ah non, on en récupère, si, 35, voilà, je vais dire, oh non, que 35, mais si c'est ça, en revanche, la file à 10 euros, la troisième, je vous déconseille de la débloquer, sauf si vous êtes en galère de ouf, parce que normalement, il y a de la crème fouettée dedans. Donc, excepté si vous êtes en galère pour finir, je vous invite à pas débloquer cette file qui ne rapporte rien de ouf au final. Franchement, il n'y a rien qui vaut 10 balles. On pourrait vous dire, oui, les points VIP. Non, franchement, les points VIP, ça vaut pas 10 balles, les points VIP, ça vaut rien de toute façon. Donc, ne vous enflammez pas pour cette file. Parlons du reste, hein, fête de Noël. Fête de Noël, c'est ce qui va vous permettre de récolter en plus, en vous connectant tous les jours, de récupérer des marteaux renforcés. Un marteau renforcé dans les flammes par le forgeron. À échanger contre des récompenses dans l'événement exclusivité du forgeron. C'est là-dessus qu'on va aller, vous pourrez en récupérer quelques-unes. 2, 5, 8, 12, 13 sur le premier jour et la première récompense. Rien sur le reste. Donc 13 et les autres, je ne peux pas voir. Normalement, on doit pouvoir en récupérer une quarantaine tranquillement. Allons donc voir ce nouvel event, hein, exclusivité du forgeron. Et est-ce une nouvelle magnifique carotte pour vous remercier de votre fidélité? Le vieux forgeron vous offre une remise spéciale sur les plans d'équipement. Il a ouvert la réserve de la forge pour vous. À mon avis, il a plutôt ouvert la réserve de la carotte pour nous. Regardons bien, réveillez le forgeron en donnant des coups de marteau. Un petit coup de marteau, des petits plans qui vont apparaître, voilà. Et on peut ajouter quelque chose. J'arrive, ma réserve vous intéresse. Bah écoute, vas-y, hein, vas-y grand-père. Et donc, on a le choix. On peut choisir entre différents plans. Regardez déjà au niveau des armes. On se retrouve avec, bon, c'est des plans de niveau 45. Hein, il n'y a pas de plan de niveau 50. Attaque de cavalerie plus 20. Les plans, les armes qu'on connaît malheureusement. En termes de casque, hein, on en a évidemment une de plus puisqu'on a le dernier set. Hein. Le home du loup féroce, on doit le retrouver partout à mon avis. En termes, ah, vous avez vu, hein, il y a quand même de grosses différences. Hein. En termes de plastron, on en a bien plus. On a l'armure de cuir du loup attentif. Bref, en plus, pareil, sur les gants, on doit être à 8, c'est bien ça. Les jambières, on est à 8 aussi. Les bottes, on est à 8 également. Et on finit avec les bijoux. Les bijoux, c'est pas les bijoux les plus intéressants. Si vous devez choisir un bijou, évidemment, je vous conseille de prendre le fragment de plan de dague dissimulé. C'est pour moi, effectivement, je vérifie en même temps que je vous le dis, le meilleur qui est proposé. Et après, deux autres items hein, à voir selon ce que vous voulez monter. Je vous déconseille les armes, elles sont pas ouf, excepté l'arc de souffle du dragon qui, lui, est un très bon arc. C'est peut-être la meilleure des quatre armes. C'est selon moi la meilleure des quatre armes proposées. Pour le reste des équipements, choisissez comme bon vous semble sur ce que vous voulez monter. Donc, comment fonctionne cette forge? On va dire, je vais sélectionner, allez, on va prendre la dague, on s'en fout de toute façon. Je la prends et voilà, j'ai un item d'exclusivité qui est mis en haut. Alors, l'event ne dure que 5 jours, donc il ne faut pas la rater. Et j'ai une liste, regardez, je peux acheter 5 plans de la dague à moins 50%, donc pour 5 marteaux. Rappelez-vous, sur le premier jour, on va retourner voir ça, tac, on regarde, sur le premier jour, je peux récupérer, tout va être justement dans le système de marteaux, je peux récupérer 12 marteaux si j'ai bien compté, recomptons ensemble sur fête de Noël et le jour numéro 1, j'en ai 2, j'en ai 3, ça en fait 5 et 3, 8 et 4. 12 et 1, 13, il doit y en avoir les autres jours, mais on ne saura que lorsque ça va avancer. Retournons donc sur l'exclusivité du forgeron. Alors attendons, il doit avoir également des bundles qui nous permettent d'acheter des marteaux. Est-ce qu'on a déjà le fleuron de la forge? Voilà, pour 5 balles sur le premier, vous avez 5 marteaux. Donc autant vous dire que ça doit monter après bien haut. Et si pour 5 balles, j'ai 5 marteaux, autant vous dire que là, le fragment, c'est un fragment de plan
le fragment de plan vous est gentiment proposé par Lilith, quelle générosité de la part de Lilith, pour 5 balles, même 6 balles, puisqu'on a 5,99, 5 balles sur PC, donc 5,99 c'est sur iOS ou Android Store, hein. Et bien pour 5 balles, vous avez la chance d'avoir un fragment, il vous en faut 30, donc en gros, si vous achetez que les premiers packs, et on fait une moyenne à 5 balles, les 5 marteaux, hein, c'est une moyenne grossière bien évidemment, il va vous falloir 150 marteaux, autant vous dire, il va vous falloir 150 balles. Donc la dague, Lilith vous propose le prix magnifique, hein, pour un item légendaire que vous allez devoir crafter après, hein, juste pour le plan, 150 balles. Ça me rappelle exactement cette magnifique carotte qu'on a ici. Est-ce que je peux aller sur le VIP? Non, ça c'est le VIP 0. La carotte du VIP 15, lorsque Lilith nous a sorti, c'est long d'aller au VIP 15 quand on est VIP 2, hop, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand Lilith nous a sorti sur le VIP 15, c'est le VIP, non, c'est ici, c'est dans, hop là, il est là, non, donc ça doit être le VIP 16. Est-ce qu'il est là? Voilà, l'épreuve du royaume perdu. Quand Lilith a sorti le VIP 16, et pour débloquer le coffre spécial, on lâche 100 balles et on récupère cet item. Sauf que là, il est déjà crafté, alors que là, il va falloir en plus lâcher. Franchement, ça brûle. Et regardez, hein, on l'a aussi, il nous met une deuxième fois. Il est tellement généreux. Bon, à côté de ça, hein, on peut acheter les items. Enfin, on peut récupérer, comme dans le store, les items. Et quand vous le récupérez, ça fait diminuer le prix. Regardez, hop là, je peux plus, j'ai plus de ressources. Attendez, regardez, on va aller quand même sur ce compte totalement éclaté. Aller chercher des ressources, hein, y a pas de raison. Hop là, c'est con, il pourrait me le proposer directement sur le store. Oui, oui, je vais me faire piller, c'est pas grave. Hop là, on y retourne et regardez, par exemple, j'achète là et tac, on est à moins 75%. En attendant, vous remarquerez, hein, les deux là, il ne me l'a pas proposé en remise. On va voir si on arrive à avoir des remises sur les deux plans. Et voilà, il m'a remisé le plan, j'ai moins 60%. Donc j'étais mauvaise langue, on peut gagner encore, donc il faut encore l'acheter bien évidemment 30 fois, ça fait 120, ça fait plus que 120 balles. En revanche, je n'aurai pas de deuxième remise sur le même item. Bref, je trouve que voilà, si je fais celui-là, il va me baisser lequel? Il me baisse celui-là aussi, pareil, il me le passe à moins 60. Je trouve que c'est quand même une belle carotte. On va actualiser, voir si on peut avoir moins de 50%. Non, on n'a pas moins de 50%. Vous voyez, moins 50%, moins 50%. Il n'y a pas moyen d'avoir mieux que 50% au départ, ou du moins pour le moment, j'ai pas vu. Si jamais ça pop, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous arrivez à avoir mieux que moins 60 avec les 10%. Hein. Une fois qu'on a acheté, vous voyez ce qu'il va me le faire là. Non, il me le fait toujours pas. Il me le exodise. Voilà, moins 70%. Ben voilà, je vous pose la question et on peut l'avoir. Là, si on arrive à avoir un très bon score, ça peut commencer à être intéressant, mais ça reste quand même cher. Même avec 70% de remise, il va me falloir 90 marteaux, vous voyez, hein, pour avoir le plan entier. Et vu que 5 marteaux, c'est déjà 5 balles, 90 marteaux, ça reste 90 balles pour juste un item légendaire dans Rock, dans un jeu. Juste le plan pour le faire. Je trouve que c'est un petit peu sec. Regardons les règles plus précisément de cet event. Je vous l'avais dit quand on a eu la mise à jour que cet event, on ne le connaissait pas et que j'avais quelques doutes. Regardez, choisissez votre plan d'équipement préféré dans la réserve de la forge. C'est ce qu'on a fait pendant l'événement. On a des fragments de plan. Tant que l'événement n'est pas terminé, on peut changer de plan préféré. Pendant l'événement, dépensez des marteaux renforcés et autres objets pour acheter. Là, et allez surtout en acheter par des bundles. Quand vous achetez un objet, le forgeron ravi choisit un objet aléatoire que vous n'avez pas encore acheté et baisse encore son prix. Franchement, quel marchand, quel négociateur ce forgeron. Chaque objet peut avoir son prix réduit de cette façon qu'une seule fois. C'est bien ce qu'on avait vu. Une fois que vous avez acheté tous les objets proposés, le magasin est automatiquement actualisé. Sinon, vous pouvez payer des gemmes ou des marteaux renforcés au forgeron pour actualiser manuellement le magasin. À partir de l'actualisation numéro 6, vous ne pouvez plus utiliser des gemmes pour actualiser le magasin et vous devez utiliser des marteaux renforcés. De quoi vous faire lâcher un petit peu encore plus. À la fin de l'événement, les marteaux renforcés inutilisés seront convertis en des gemmes à hauteur de 1 pour 200. La carotte ultime, un marteau, ce n'est que 200 gemmes.
pour sélectionner l'équipement d'ingénierie dans la réserve de la forge, votre royaume doit être en saison blablabla, votre hôtel de ville doit être au moins niveau 8, et regardons, votre trésor choisi x8. Ah, il y a des pourcentages différents en plus, ça c'est intéressant ça, il y a des pourcentages différents pour que ça pop, alors qu'au final on a le même taux, franchement ça reste faible, on a quand même eu, alors regardez là derrière, j'ai un x3, j'ai que des x3, j'ai eu un x5 quand même tout à l'heure dès le départ, et le x5 il n'est qu'à, ouais quand même, 2,20%, c'est pas mal, donc je trouve tout de même que ça reste un peu cher, et de mon point de vue c'est une carotte. Faisons un test. Si je change l'item, est-ce qu'il change là? Ah ouais, il le change automatiquement. Vous avez vu? Donc ça, ça peut être intéressant. Si vous sortez un gros score, vous dites ah, finalement, je vais prendre autre chose parce que j'ai envie de le finir et il manquait juste un ou deux plans. Pour résumer, les amis, si vous manquez très peu de plans pour finir un item, cet event peut être intéressant. En revanche, n'allez pas vous dire c'est un super bon plan, je vais claquer de la thune. L'enveloppe que mamie va me donner pour Noël, je vais la claquer dans des marteaux de forgeron en achetant le lot fleuron de la forge. Non, très mauvaise idée. Il vaut mieux investir dans autre chose que dans ça. Il y a beaucoup plus rentable, même en termes de bundle. Même si je vous l'accorde, hein, le craft fait partie vraiment intégrante maintenant. Pour avoir un bon binôme, il faut avoir du craft légendaire. Là, c'est tout de même un peu sec et j'ai l'impression que Lily tente de nous mettre une carotte. Pour les plus anciens d'entre vous, ça me rappelle l'event, les dés de la chance. Les dés où il fallait lancer 1000 fois les dés et claquer son PEL pour arriver au bout et avoir des crafts légendaires. C'était vraiment la loose, ça me fait penser à ça. Même si là, l'aspect des trucs gratuits ou qu'on échange avec des ressources, là, c'est pas mal du tout. Pour le reste, c'est de la golden carotte certifiée. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.